Le parcours numérique est un ensemble d'interventions pédagogiques à destination des élèves des collèges. Débat, mise en situation, ce dispositif vise à encourager les enfants âgés de 11 à 14 ans à adopter de bonnes pratiques numériques, mais également à renforcer leur éducation à la citoyenneté numérique. Nos élèves sont constamment sur les réseaux, sur les images, et on voit bien que c'est une problématique qui à la fois les intéresse et qui nous pose problème. Mieux comprendre pour mieux utiliser pourrait être la devise de ce parcours. Nos élèves de la 6e à la 3e vont avoir quelque chose de progressif, d'évolutif, avec une réflexion et une pratique et une maîtrise des outils pour comprendre comment une image raconte une vérité ou pas, comment on la construit, qu'est-ce qu'elle veut dire, et puis quel sens ils donnent eux aux images qu'ils partagent régulièrement et qui leur posent aussi problème très souvent. À travers l'éducation, la collectivité veut accompagner les collégiens en leur donnant les outils et les ressources nécessaires pour identifier les dangers du web, des réseaux sociaux, et ainsi devenir acteurs de leur sécurité et de celle des autres. Bonjour, moi je m'appelle Milan, je suis élève de 6e D au collège Paul Langevin d'Etus. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 11 ans et je suis au collège Paul Langevin. Bonjour, je m'appelle Firdaous, j'ai 12 ans, je suis en 6D au collège Paul Langevin à Etus. Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 11 ans, je suis en 6D au collège Paul Langevin. On a travaillé, on a pris des photos pour essayer de faire un montage. Avec mon groupe, on a essayé de prendre des photos sur fond vert et puis couper le derrière pour mettre un autre fond. On possède des outils numériques tels que l'ordinateur et la tablette. Ces outils, ils nous servent à aller sur des logiciels ou alors faire des exposés, donc rechercher des informations. On fait du photomontage. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est de travailler en groupe. On réfléchit ensemble de ce qu'on va faire et puis on réfléchit les photos qu'on veut faire. J'ai aimé quand surtout on a pris les photos avec le fond vert derrière. C'était drôle, quoi. J'ai bien aimé quand on prend des photos et on coupe avec l'ordinateur. Prendre des photos. Non, j'en ai jamais fait chez moi, du photomontage. J'avais jamais utilisé, j'avais jamais fait ça. Je l'avais jamais fait. Jamais, j'ai jamais fait. Je pense que j'aurai l'occasion en dehors du collège. Ça dépend le métier que je ferai. Dans notre métier, on utilisera des outils informatiques. Oui, je pense que cet atelier pourra me servir plus tard dans mon avenir. Hein. Peut-être, je pense, ça dépend du travail qu'on fait quand on est plus grand. J'ai très envie de participer aux ateliers l'année suivante. Identité numérique, éducation aux médias et aux écrans, cyberdépendance, cyberharcèlement, désinformation et rumeurs sont autant de thématiques qui peuvent être travaillées avec les élèves. Il s'agit de renforcer le regard critique des jeunes collégiens du Doubs. Pour cela, de nombreuses actions sont proposées aux établissements avec deux associations partenaires que sont CMEA et Internet. Je m'appelle Morgane, je travaille au CMEA de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une association d'éducation populaire et un mouvement d'éducation nouvelle qui est basé à Besançon, entre autres. Et donc moi, je travaille autour de différents projets liés à l'éducation au numérique, aux écrans, et donc notamment le parcours numérique qu'on fait aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on veut à la fois associer de la pratique d'activité et des temps un peu plus de réflexion. Donc on a commencé par faire un temps de pratique de photomontage avec les enfants, donc pour qu'ils découvrent un petit peu des techniques avec du fond vert, des petits logiciels de montage assez accessibles. Et par exemple, là, ils font une petite activité de sensibilisation pour essayer d'imaginer une histoire avec des vidéos. Ça introduit des discussions qu'on va avoir autour de l'image, de la vidéo et des techniques qu'il y a derrière. L'idée, c'est de s'adapter au public, de se dire on va pas refaire des choses qu'ils ont déjà faites. Est-ce qu'ils ont plus de facilité avec telle technique? Peut-être qu'on va y passer plus de temps, un peu moins longtemps. On a notre plan de base d'animation, mais on va l'adapter selon l'avancée du public. Le parcours numérique permet d'informer, de prévenir et de sensibiliser les jeunes aux enjeux et aux risques liés au numérique pour viser un usage toujours plus responsable.